Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur P7. Aujourd'hui, nous commençons ensemble une saison hors live de Humanits. On va configurer le serveur ensemble. Tout d'abord, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Hein, c'est inadmissible. Non, mais c'est surtout le seul moyen de soutenir la chaîne gratuitement. Et j'ai un objectif d'arriver le plus vite possible à 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc, j'espère que vous pourrez faire ce petit effort pour moi, pour la communauté. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions sur la game, si vous connaissez le jeu, si ça vous intéresse. N'oubliez pas aussi également que dans la description de la vidéo, vous aurez le lien partenaire pour avoir le jeu à moins 60 ou moins 65% actuellement. Donc voilà, lien très intéressant, j'y gagne pratiquement rien dessus, mais autant vous partager un bon plan. Et puis on va faire une petite game, des petits épisodes entre 40 minutes et 1 heure. Que je mettrai régulièrement sur la chaîne dès que j'ai un petit panneau pour continuer. Et on va essayer de jouer safe parce que j'ai toujours l'habitude et l'envie de jouer sur des games très difficiles, hardcore, etc. Et du coup, on galère, on avance peu et on découvre peu. Mais on va mettre de la difficulté, certes, mais on va essayer de jouer très, très safe. Franchement, je me répète, mais il faut pas faire attention. Je joue toujours mécanique parce que les véhicules sont importants dans le jeu. Et de pouvoir utiliser moins de ressources pour les réparer, c'est important. Parce qu'il commence aussi avec une petite arme de poing, un tournevis. Et ça aide plutôt pas mal. Et on va commencer la game. On va la configurer ensemble. Pas de tutoriel. Pas de permadeath. On nettoie pas les infections si on meurt. De l'alliance, s'en fout. Airdrop, oui. Les armes se cassent, oui. Dormir, fait passer du temps. On joue en solo. Respawn loot, non, pas de respawn. Je le mets au max au cas où. Loot rarity, on va mettre. C'est vraiment très très rare le loot. Les zombies en mode nightmare. Les humains en mode very hard. On multiplie pas les aides, il y a ce qu'il faut. On commence en automne. Faudrait 4 jours pour changer de saison. Et on va mettre le fait qu'il ait faim et soif assez rapidement. Je pense qu'on a un bon start. On va commencer comme ça. L'idée, ce sera de trouver un spot où on pourrait éventuellement s'installer. Il faudra trouver des clous. Le marteau, ça se construit. Il faudra survivre, se soigner. C'est un jeu de survie. Ça ressemble beaucoup à PZ, Projet Zomboid. Mais au stade de développement actuel du jeu, il n'y a pas autant de fonctionner que Projet Zomboid. Par contre, graphiquement, c'est vrai qu'on est sur un cran qui est nettement, je dirais, largement au-dessus. Il y a un nouveau spawn. Et en plein centre-ville avec plein de zombies. It's hard difficulty. On va quand même tenter. Je pense que ça va être très compliqué, mais on va tenter. On va tenter de survivre et de vivre dans ce secteur. Peut-être qu'il faudra sortir rapidement de la ville pour trouver. Enfin, on va voir. Allez, let's go. On part à l'aventure. Il fait jour. On va commencer par looter les. Premier spot. Ça commence bien. Il n'y a pas grand chose. Ce que je crains le plus comme ça dans les starts, c'est que t'es un véhicule soit avec une alarme. Et là, on se retrouve tout de suite en difficulté. Tiens, une arme, ça, c'est plutôt cool. On est dans la partie de la ville où les bâtiments sont un petit peu buggés. Oh. Marteau, couteau. Commence plutôt bien. Dès qu'on trouve des bugs, il faudra. Il y en a là. J'ai pris les véhicules. Dès qu'on trouve les bugs, il faudra aller faire quelques rags. Il disait dans les préconisations d'être très, très silencieux, très furtif. Il
sais pas si lui on peut les plaquer. Non, eux on peut pas les plaquer. Et par contre ils font très mal. Ouais, c'est les plus gros. Faut essayer de viser la tête. Avec le couteau. Ok. Ça s'est bien passé. Alors, on va regarder la page de build. Chaque avec les fibres. On peut faire des racks. Comme c'est pas hyper silencieux, on va essayer de faire ça gentiment. Un maximum de soins dès le début. On a respawn dans un spot assez difficile. Et dézoomer. Oh, j'avais pas vu tout ça. Ça c'est assez emmerdant lui parce que il a une espèce de. Comme s'il était un peu toxique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc j'arrive à le taper de loin. Parce que à chaque fois, c'est non. J'essaie de le shooter. Ok. On va pas prendre de risque, on va se soigner tout de suite. Les premières victimes sont faites. Et ça c'est le spot. Ça peut être pas mal pour... C'est vrai qu'on trouve des clous. Tu t'enfermes, t'as quand même des grandes palissades. Je peux peut-être faire quelque chose de... Bon. Ouais, on va passer par la fenêtre. C'était pas la meilleure idée. C'était pas la meilleure idée. Pas du tout une bonne... Ouais, lui c'est bon. One shot. C'est faisable, c'est faisable. Va falloir jouer safe. C'est peut-être faisable. Non, c'était pas une bonne idée. Vraiment pas. Je vais d'abord m'occuper de celui qui est rapide. Ça va être très compliqué de survivre à ça. On a 65 PV. D'abord le plus rapide. Non, 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 non. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Ok, lui c'est fait. On arrive à aller. Il nous reste deux rags. Les autres n'ont pas suivi pour le moment. Waouh. On sent tout de suite la pression dans le jeu. Ah, c'est un véhicule à conduisible ça. Nice. Oh. Il y a quand même des trucs intéressants dedans. Il faut que je le marque sur la map. C'est obligatoire. Je suis obligé de marquer ça. J'hésite à... Regardez le marteau. J'hésitais à le poser, mais comme c'est quand même une arme de cac, de corps à corps, pour nous aider, on va débloquer le skill de lockpick. On trouve quelque chose à ouvrir.
va essayer d'y aller doucement parce que... Et merde. Fuck. Et merde. Et de sortir de la ville. Une voiture qui fume là. Et de me planquer. Préparer des rags. La fibre. Fibre. Ok, rapidement, on fait quelques rags. On est au sol là. Hop, on va essayer de se re-soigner. En début de game, le soin aux rags c'est le plus important. 73 HP. On retrouve aussi un sac dès qu'on peut. La chance qu'on a eu, c'est que tout à l'heure on s'est pas fait infecter quand on s'est fait mordre. Sinon on serait. C'est moi le terme, mais dans la merde. Bon, on a réussi quand même à s'enfuir. Le couteau s'abîme rapidement. Ok, là on est remonté à 100. On va re-rentrer. Dans la ville, on va retourner le looter un petit peu. Encore. Ça, c'est l'appel à poste, les gars. Merde. Il y a les aides ultra rapides qui arrivent. Ça, c'est les pires. Je pense qu'avec le marteau, il y a peut-être plus d'allonge. On va manger. Ouais. On va se nourrir un petit peu. Oups, je pensais que j'étais parti. J'ai de m'approcher pour bien viser. J'ai fait la tête. Au moment où ça va, ça pourrait être pire alors qu'on s'est tapé quand même des gros paquets de Z. Ok, ça passe. Le 62 HP, c'est pas ouf non plus. Avant de continuer, il faut que j'aille trouver des rags. Pas d'important la life. Bon, sachez que si vous mourrez, tout ce que vous avez dans les poches, pockets, pour le moment on n'a que ça, vous le récupérez, sauf les armes que vous aviez en main. C'est-à-dire que si j'ai là le couteau en main, si je meurs, elle tombera au sol. Par contre, ce qui est dans les raccourcis, dans les poches et compagnie, ça c'est maintenu. On a 3 rags, on va utiliser. On va se remonter la live tranquillement. J'espère qu'on va pas se taper encore une voiture avec une alarme. La ville est un peu hostile, on a pu le voir dès le début.
Il m'a vu de loin, lui. Vite, vite, vite. Ouf. Heureusement qu'on a esquivé le premier coup. Est-ce qu'il nous a loot, lui? Les painkillers, important. On va récupérer l'huile, on va le mettre dans le véhicule qu'on venait de looter. De jouer dans la discrétion, mais ça arrive très vite et que des coureurs en plus. Pas très risqué. T'es pris dans un coin. Plus trop droit à l'erreur. Très 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 chaud. Ils m'ont entendu fouiller, je sais pas comment ils ont fait. Je vais me soigner un petit peu, ça va me donner des vies petit à petit. Les antidouleurs. Ça va remonter tout doucement. Si vous voulez être sérieux, il faudrait refaire des bushs. Et on va le faire, on va être sérieux, on va jouer safe. On va jouer le survivant. On va progresser lentement. Mais c'est très difficile la ville. On va en faire qu'un. On est remonté à 60. Il y a quelque chose d'un petit peu plus convenable. Il n'y a pas d'autre... d'autres bugs dans le coin. Ah, il y en a là. Va falloir quand même commencer à fouiller les maisons qu'on trouve. Ah, il n'y avait pas de... Alors, parfois ça c'est un peu glitch dans le sol, mais là il n'y avait rien. Okay, on a pu faire deux racks de plus. Oh, il y a plein de bush. Je pense que ça prend du temps, mais il va falloir qu'on y aille avec prudence. Donc, je vais ramasser toutes les fibres ici. On va se faire des racks d'avance et on va pénétrer la ville. Ça peut paraître un peu long, mais parce qu'on joue en mode difficile. Alors pour ceux qui aime plutôt découvrir vite et avancer vite, faut laisser le jeu tout à fait en normal, c'est beaucoup plus simple. Nous on aime bien le côté difficulté, donc le vrai survivant quoi. Qu'est-ce que stam? Bien, il faut stam pour monter. J'en profite parce que on se rapproche de la ville. Encore de la fibre. Et c'est un axe au sol, lui. Deux même. Bah alors, oui, c'est la fête. Là, on a un petit peu de stock. Plein de véhicules à fouiller. On va rentrer petit à petit. Hein. On va faire ça dans l'ordre, sinon on va se perdre. Ok. On a presque les poches pratiquement pleines que de rags, mais bon. À la base, on avait quand même cassé le carreau d'un truc qu'on voulait fouiller, qui avait l'air intéressant. On n'a pas pu faire au final.
Bâche. Toujours utile. Ah, mais je suis déjà full en inventaire. Bah, on va drop ça en attendant. Pas moyen de faire un sac à dos en... Ah, mais ça utilise des rags. Pas envie. On aurait pu faire un petit sac à dos improvisé, mais... Y a rien, hein. Y a rien à fouiller ici. Ça, c'est efficace. Bruit des portières quand on les referme sont, je trouve, extrêmement bien faites. La corde, je crois que c'est un truc qui se craft, on va se prendre la tête à le prendre avec nous. Notre revolver, boîte de painkiller. On va commencer à se délouter dans la voiture qu'on a trouvée, même si on sait qu'on va pas le démarrer tout de suite. Il nous servira de coffre. De stockage. Évidemment. C'est plutôt bien fait que si vous planquez derrière les véhicules, ils ne vous voient pas. Donc là, ça a quand même ramené. Wow. Compliqué là. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'ils soient tous là-bas dans le coin. Il y avait un récupère kit de voiture qu'on aurait pu tout de suite utiliser sur le pick-up. Et bah, nous, on va profiter de la diversion pour check ce spot. Espérons que elle ne fasse pas sonner notre alarme. Ouais, c'est super, je me suis bloqué dans une fenêtre. ouais. Et comment ça se passe quand c'est comme ça? Alors sachez que, j'allais dire, pour tout ce qui est bug, c'est moi qui les trouve. Hein. Je devrais être en fait testeur de tous les jeux vidéo, moi. Colossal. On va quand même prendre la bouteille. Je crois qu'on est rentré dans un comico. On voit une arme là-bas. Il n'y a rien à appuyer là-dedans. Ok. Caméra et tout. Qui nous a entendu essayer de casser la porte. On peut pas casser la vitre et passer par là, là. Pas trop simple. Est-ce que si je prends ça,
qu'on arrive à rentrer là-dedans. Et je vais détruire mon marteau là. Ouais, on va aller fouiller ailleurs en attendant. Faudra qu'on revienne ici. C'est intéressant de mettre. Y a pas un petit smiley genre. Ouais, je vais mettre ça pour dire que c'est la police ici. Faut qu'on s'en rappelle. Peut-être fouiller le reste du Comico. Voir s'il y a autre chose de plus intéressant. De l'eau sale. Oh, gros pick-up de police dehors. Ça a été dépouillé, hein. Il n'y a plus grand chose là-dedans. Commissariat de quartier, ça. Hein. Pas pouvoir faire la fine bouche longtemps, parce qu'on commence à avoir faim et soif. On va trouver des balles. Balles de fusil à pompe qui traînaient. On va avoir des problèmes. Aussi. Oh yes, mange. C'est un signe, il a ramené à manger. On va se soigner. On va nous libérer aussi un slot. On a bien fait de prendre quelques racks d'avance. Regardez s'il y a quelque chose à fouiller. Sûrement les shots pour avoir une bouteille d'eau, mais on en a d'avance. Ok, bon. On va être bientôt obligé de boire quelque chose de dégueulasse. Tant qu'il est seul, on peut les. On peut les plaquer un peu comme ça. Oh yes. Équipe, équipe, gilet pare-balles. La salle de pause, ça. Comme truc à manger, là. Rien. On a une petite protection. Pas ce que ça vaut. Il y a beaucoup de monde, là. En fait, la seule pièce qui nous intéresse là ici, celle où on n'a pas pu rentrer dedans. On voit qu'il y a des balles dedans. J'ai vu qu'il y avait un fusil à pompe et donc comme on a quelques balles, ça serait. On va récupérer un peu de notre stam, c'est fatigant. On va être obligé de boire de l'eau périmée pour le moment. Espérant qu'il tombe pas malade.
J'ai pas l'impression qu'il ait kiffé quoi. Ça a rien donné. Tant pis pour le marteau, hein. On en fabrique pas. Hein. On va l'abîmer, mais. Il y a quand même l'une des premières armes qui peuvent tirer à l'intérieur. Et on y est presque. Récupère sa stam. Qu'est-ce que c'est ça? Balle de 9 mm. Fusil à pompe, on va le recharger. Je vais drop le scotch pour le moment. C'est moins important que le fusil à pompe. Voilà. Mettre l'arme sur le dos. On va prendre le marteau à la main. On va prendre les balles de 9. Et là, on a un truc de délog. Donc, on va essayer. C'est un lockpick. Oh, dur. Ça se permet aussi. Ok, il faudra qu'on revienne. Il y a deux trucs à délock ici. On va ressortir par derrière. C'est sûr. Pas beaucoup de chance sur les alarmes. On va essayer d'économiser les balles. J'ai laissé tomber mon couteau. Je sais pas où, mais il est tombé dans le coin. Yes, il est là. Ok, au final on sort quand même pas si mal. C'est juste qu'on va commencer à avoir ultra soif. La nuit va tomber. Survie. Voilà où on est arrivé. Faut vraiment qu'on aille fouiller des shops, des magasins, des spots où on peut trouver à manger. On va passer devant le véhicule où on se déloue depuis tout à l'heure. Va tomber, ça a été encore pire. On va laisser dedans les balles. Je vais même y laisser le marteau, on va jouer juste avec le couteau. Tout à l'heure, on avait laissé un gun. Dans l'une des voitures. Il me semble que c'était celle-là ou celle d'à côté. C'est ça aussi. Ouais. Comme ça marchait mieux avant. On va enchaîner les deux coups de
faut toujours se reculer un peu, histoire que le Z ait moins d'allonge. Voilà, pas faire ce que je viens de faire, en gros. Hop. Véhicule en bon état. Pas beaucoup de carburant, mais ça pourra démarrer. C'est quoi que je voulais déposer là? Pas rien. Vas-y, se soigner un petit peu. Faut rapidement trouver de l'eau. Rapidement. Parce que là, du coup, on commence à perdre énormément de life. Espérons que dans ces baraques là on trouve quelque chose, manger ou à boire. Pourquoi pas fermer. Oh yes, allez fouille. Bien. Les chiottes, rien. Toujours ces petits bugs de bâtiment, j'espère que ce sera patché bientôt. Petit pull, rien dans le frigo. Oh dur. On était vraiment sur cette maison pour trouver un petit truc à bouffer et à boire. Et là on perd de la life à chaque instant. Yes, sac à dos. Très très bonne nouvelle. Là l'urgence c'est de manger. J'essaie de la consommer, voir si ça me donne quelque chose, mais ça donne rien l'eau périmée. On monte pas la soif malheureusement. Alors c'était pas comme ça avant. Y'a rien à manger. Oh mon dieu. On est sur le frigo un petit truc là. Oh yes, mange. J'espère que ça donnera un petit peu d'eau. Non, même pas. Oh là là, et pas beaucoup de bouffe non plus. Hein. Habitation en face. Je me demande si c'est pas là où on a commencé avec les portes qui étaient fermées d'ailleurs. Je vais me soigner un peu. Eh ben, ça fait une petite pirouette. On est vraiment dans un spot difficile, vraiment. On trouve des magasins, des trucs, enfin, on trouve rapidement. Manger, on est un petit peu en sursis. Boire et autres. Très compliqué. C'est rempli de Z et j'ai vu un chien. Les chiens, je peux pas. Et d'ailleurs, on n'a pas tout fait. Dans le parking du Comico.
pensais qu'il y a un peu de bouffe là-dedans. Ok. La nuit, ça lance. Ouais. Compliqué. Très très. Tant qu'ils sont un par un. Faut jouer safe. On peut pas se permettre de perdre. J'entends un chien et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ils sont très dangereux ces chiens, ils font très très mal. Et entre les blessures des Z et la faim et la soif, je pense qu'on est très très mal barré. Va falloir que je me dépêche de trouver quelque chose à manger. On vient de faire ça? Ah ouais, on tourne en rond en plus. Fuck. À gauche, les barraques qui sont fermées. Allez. Et du coup, je le prenne. On n'en trouve pas beaucoup, on en a besoin. Consume. Alors, on peut augmenter la bouffe, mais la soif, ça va être très compliqué. Il n'y a pas une petite canette dans les poubelles. Ah putain, il y a le bug d'affichage ici. Pas une bouteille d'eau propre. Il n'y a que du sale là. On va le prendre. Il n'y a rien à manger. Oh, tu. Je crois que j'ai rarement autant galéré en début de game comme ça. Oh, mange. Ça va augmenter la bouffe, mais l'eau ça va être de pire en pire. C'est des trucs salés. Bon, ça dépanne. Au moins on aura qu'un seul truc. Ça on va le découper pour faire des rags. On est obligé pour récupérer de la life. Quitte la baraque. On y arrive tant bien que mal, mais il nous manque de l'eau. À boire. S'il vous plaît. Wow, c'est infesté de partout. C'est infesté de partout. Un truc de stockage. Et un peu de chance. Des garages et un autre caillou. Ouais, t'es sûr. Ça, derrière, j'espère que ça va le faire.
Et je coupe la lumière, je sais pas si elle est utile dans le jeu. Bon, de toute façon, je suis cramé. C'est que j'ai pas beaucoup de life parce que je perds de la life toutes les secondes à cause de la bouffe, de l'eau, pardon. Attendez, on vient de fouiller ça, non? À nous ça. C'est une laverie. T'as comme t-shirt pour faire un rags. Yes. Équipe. On va soigner avec ce qu'on a là. Rapido. Là, c'est une mort lente, les gars. Très très long. Compliqué. On va essayer de remonter un petit peu plus haut. Et moi je disais un petit SMS en même temps. En fait, les seuls trucs qu'on trouve, pas les trucs de bouffe, donc malheureusement, ça nous sert pas à grand chose. Music store, pas besoin. Enfin, on ira plus tard. Au moins qu'on trouve de quoi bouffer là. Des carcasses à détruire, on peut pas les fouiller ça. Là, ça sent l'alarme. Il y a encore à manger. Eh ben, on va manger pour le moment, tant pis. Hein. Ouais, là, c'est vraiment... Là, on a réussi à se planter pour la bouffe. Voilà, dedans. Oh, une glacière. Elle n'a rien à bouffer. Rien à boire. Pantalon tout neuf. Ouais, la qualité c'est la même. Hein. Je vais le prendre quand même. Un petit couteau. Il y a trop plus de piles dans la torche. Ouais, des habitations là. En plus, si on fait du bruit, faut que je trouve à boire à tout prix. Putain, c'est fermé. Yes. Please, please, please. Allez, les gars. We need some water. Some food. Fuck. Vas-y, consume, hein. Tout de suite, se soigne. On monte à 91. C'est vraiment, vraiment l'eau, le problème. Ou sinon, il faut qu'on trouve des tablettes de purification d'eau. Là, du coup, on aurait. Aérien. Encore un couteau de cuisine. Je vais tous les ramasser, ça va nous être utile. Allez, la cuisine là. Allez. C'est maintenant ou jamais. Oh. Putain de merde. Il est où le frigo? Il y a un frigo? Ouais. Putain. Pardon. Désolé pour les gros mots. Ah, je suis à fond. Tiens, il y a une tente et une glacière dehors. En fait, si on trouve une bouteille, on est tranquille pour quelques minutes. Ça, ça va sonner, non? Move. Des balles. Oh, des balles pour notre gun, ça. Nice. Bon, en tout cas, on est armé. What the fuck is this? Bah, c'est le même que le mien. Pas plus grand. On est dans le couloir là. On a vu qu'il y avait une glacière. Peut-être que la glacière va nous sauver la life. J'ai vu un medkit.
dans la pièce d'à côté là. Ah ça nous donne full, full life. Un petit soin. On sume. Pas trop le choix, hein. On survit comme on peut, hein. Ah. Il y a rien. On a fait le frigo là? Non. Y'a rien, putain, les gars. C'est quoi cette ville? En même temps, on a mis Vital Drain Max. C'est-à-dire qu'en gros, pain et eau descendent rapidement. Et en plus, on a mis qu'il n'y avait pas de doute. Donc c'est vraiment le... On va dire le combo parfait, non? C'est le combo abusé. Allez, on y croit, c'est ici. C'est ici qu'on va trouver quelque chose, je le sens. Allez. Frigo. Y'a rien. Oh. Dur. Dur, dur, dur. Faire quitte encore. On trouve des trucs sympas, le loot est... Enfin... Globalement, ça va, hein, mais... On va bientôt être full. Tant qu'on trouve pas de clous, on pourra pas trop s'installer, parce qu'on a besoin des clous pour build. On va essayer de voir le truc de campeur qui était derrière la maison. Putain, là, la torche, elle va s'éteindre. Ah, on a vraiment... On a commencé pile poil ici, quoi. Allez. Y'a rien. Oh non. Oh non. Please. On va mourir, les gars. Les gars, on arrive à la fin de la première vidéo. Premier épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, des clous. Fuck. Yes, yes, yes. Ça, les gars. Allez, il en faut au moins 30. Très bien. 50. 15. Avec ça, on pourra peut-être construire un petit récupérateur d'eau quelque part dans la ville. Comme ça, s'il pleut, on pourra tenter de survivre. Et voilà. Aïe, 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 aïe. On finit le live sur plus d'électricité. On a soif. La faim, ça passe. On va s'enfermer dans la maison. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2. N'hésitez pas à like, commenter et à vous abonner. Faire les escrocs.